quelqu'un comme PJ Harvey. C'est vraiment une nana. Enfin, elle donne cette impression quand tu la rencontres, en parlant avec elle, tu vas apprendre des trucs qui vont te servir toute ta vie, parce qu'elle a, je trouve, une manière. C'est pas loin de Portishead et tout ça, je trouve. Elle considère sa musique comme un art, elle a vraiment une vision à long terme. Elle est discrète, elle a l'air cool, a priori, comme ça. Il n'y a pas de chichi, il y a vraiment une évolution dans sa musique. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, j'ai l'impression qu'elle est libre en fait. Et elle a ce côté un peu, je trouve. Elle vit à Douvres, je crois, en Angleterre, elle vit près d'une grande falaise. Et ça m'arrivait quelquefois de rêver. On allait en groupe la rencontrer dans son énorme manoir, limite un peu Adam's Family, comme ça. En fait, qu'elle nous disait des grandes choses sur ce qu'on devait faire. Quoi. Et comme on est un peu parfois dans l'expectative de ce qu'on pourrait faire après, ben. T'as besoin de modèles et t'as besoin de gens qui viennent te dire écoute, tu sais quoi, tu devrais essayer de tic, 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 tic. Et je trouve qu'elle incarne un peu ce truc-là. Je pense qu'elle va vraiment bien vieillir en fait. Et qu'elle vieillit bien.